Ce résumé vous est proposé par Nissan et Mastercard, sponsor de l'UEFA Champions League. On voit déjà Asensio qui rentre énormément dans l'axe à côté de Benzema. Je regarde un petit peu Benzema justement, ça a l'air d'aller. En attendant Mané, c'est pas mal non plus ça avec là-haut. Déjà la première intervention compliquée de Thibaut Courtois. Parce que c'était franchement, il est presque pris à contre-pied. Oh là là, ça passe entre les jambes, Milner il frappe lui. Ben oui. Oh, elle était dedans, hein, Marc. Ah, bien sûr, qu'elle était dedans. Elle était en pleine lucarne. Elle était en pleine lucarne. Tout ça part d'une perte de balle de Kroos. Oups, oups. Ça, Philips, j'espère que pour lui qu'il ne va pas s'en mordre les doigts. Benzema, Benzema avec Vinicius. Non, il va aller seul. Oh, il la donne. Poto, est-ce que c'était ça qu'il voulait faire véritablement ou alors aller chercher son partenaire? Ce ballon a peut-être été dévié. Exact, Marc, ça a été dévié. C'est le défenseur qui l'a mis sur le poteau. Et voilà, entre les lignes, Wijnaldum. Mais là, il est furieux, Kroos. Ah oui, parce que Casemiro aurait peut-être dû sentir ça. Et ça, c'est une bonne balle. Ah, je sais pas pourquoi, il doit y aller là-bas. Il est superbe, ce centre. Il doit couper cette trajectoire. Est-ce qu'il pouvait y aller? Ou alors est-ce qu'il y a une petite illusion d'optique? Ah, il pouvait y aller quand même. Il peut y aller, hein. S'il se jette. Mais oui, je sais bien qu'il est impressionnant, notre ami Thibaut, mais quand même. Oh, bien joué. Superbe, Wijnaldum. Voilà, là il a fait la différence. Là ça peut peut-être passer. Et là ça va te faire mal. Éventuellement, avec cette frappe de Salah. Et là! La première action, on va dire, construite entre les trois. Et ils finissent la mi-temps comme ils l'ont commencé les Anglais avec celui-là, et c'est le plus dangereux. Ah ben, il a du bol en plus, si on joue avec lui. Ah ben voilà, ça c'est clair, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Elle est belle, le Vlad, tiens. Ici, et ici, et ici. Mais dites-moi. Et si Courtois n'était pas là. Ah, mais Courtois, les débuts de match, les débuts de mi-temps, il a intérêt à être au taquet. Hein. Oui, je pense qu'il peut mieux faire aussi, Firmino, hein, vraiment. Oups. Ça passe. Ouais. C'était pas gagné d'avance. Par contre, là, s'il y va, il va y aller là. Il va y aller, non. Becker, ouch, il a pas osé. Il était très sportif là, Benzema. Et bravo à lui. Franchement. Oui, il était très sportif et je trouve que Vinicius aurait peut-être pu à poil être un peu plus rapide. Alcantara. Robertson. Diota, ça passe, ça va finir par rentrer. C'est ça, doit être touché, ça. Point, oui, ouais, coup de point. Oh, c'est bien vu. Un Militao qui va se retrouver là. Oh, quelle est belle. Pourquoi pas ? Oh, c'est rare. C'est rarissime de voir Benzema dans cette position galvauder une occasion pareille. Ah, celle-là, elle est splendide. D'habitude, c'est vraiment au fond, vous avez raison. Il n'était pas hors jeu. Oh, là. Il ne s'y attend pas, je pense. Ah, vous croyez que c'est parce qu'il dit que c'est Militao, ça n'arrivera pas? Non. Oh,
voilà, voilà, c'est ça. C'est ce qui peut poser un problème. Bah, évidemment, il y a encore Courtois qui est là. Magnifique. Mais c'est cette suffisance. Ah oui, mais non, mais Lamendi, il va ramasser une tripotée de la part de Courtois. Bah oui. Même si dans l'esprit de Mendy, lui, ce ballon, il était bon. Hein. Ce résumé vous a été proposé par Nissan et Mastercard, sponsor de l'UEFA Champions League.